Bonjour. Jodi a nou vle gade yon liv sou bon nouvel la. Liv la ko gen nan men ou, ta dwe yon liv vert. Toujou suiv nimewo paj yo kem pral ba ou. Istwa a pral korespon ak paj yo. Paj 1. Desen sa montre nou komansman kreasyon an. La sa a pat gen ni moun, ni zanimo, ni pieboa, ni lot bagay. Te gen fe noa epi tout bagay te nan dezod. Se sel bon Diye ki te egziste le sa a. Page 2. Liv la ke ou e la se la Bib. Se pa mwayen liv sa ke bon Diye pale ak nou. Bib la pale nou de bon Diye. Bon Diye reme tout moun. C'est la Bible qui montre nous chemin pour nous joindre contentement avec la paix. Tout ça nous pourrons étudier dans le livre ça, sorti dans la Bible. Page 3. Bon Dieu t'a créé toute qualité pied bois avec animaux. Tout ça t'a créé était bon. Bon Dieu t'a créé l'homme tout. Bon Dieu t'a placé l'homme comme maître sur toute salle de créer. Page 4. Premier nom nan t'a relé Adam. Premier femme nan t'a relé Ève. Adam et Ève t'a vive à cœur content dans un bel jardin qui t'a relé jardin d'Eden nan. Jardin ça t'a gagné en pile pied bois là-dedans. Bon Dieu t'a dit Adam et Ève que yo te gen doit manger dans tout pied bois yo sauf si là qui t'en a mitan jardin an. Bon Dieu te dit yo quel ta pini yo si yo te manger dans pied bois ça. Adam et Eve te manger dans fruit pied bois interdit a. Yo te désobéi la loi bon Dieu a. Yo te fait péché. Là ou ka wè comment yo te obligé sorti jardin d'Eden nan. Parce que yo te fait péché, bon Dieu te obligé pini yo. Depuis là ça a, tout le monde fait expérience douleur, maladie et puis la mort. Malgré ça, bon Dieu t'a continué remet yo. Bon Dieu t'a fait une promesse, un sauveur qui t'est capable d'effacer péché yo a. Page 5. Adam et Ève t'a fait péché. Timounyo t'a fait péché tout. Garçon an ke wè la ki gen yon bâton nan men rele Kayen. Kayen ak Abel te de piti garçon Adam ak Eve. Kayen te rari frè li Abel. Kayen te fè péché. Li te touye Abel ak kout bâton. Tout descendance ou bien piti Adam ak Eve te fè péché. Ni ou ni mwen nou gen tan fè péché tout. Nou tout mérite la mort. Page 6. Descendance Adam et Eve te continué dans méchanceté yo. Bon Dieu te obligé pini yo. Li tap touye yo tout ak yon gros inondation. Cependant, te gen yon moun ki te toujou obéi bon Dieu. Non monsieur ça te noyé. Bon Dieu te mande noyé construit un bâtiment pour te ka sauver les inondations an tap vini. Noyé te obéi bon Dieu et puis te construit bâtiment an. Le bâtiment te fin construit. Noé ak tout familia te entre nan bâtiment an. Bâtiment sa te rele l'ache la. Noé te invite lot moun entre nan bâtiment an ensemble avec, mais yo te refuse l parce que yo pat kwe ke bon Dieu ta pini yo. Page 7. Après Noé ak famille te entre nan bâtiment, yon gwo la pli te commencé tombe. La pli a fait yon gwo inondation. Tout moun yo te couvri ak dlo. Kou li a te gen plusieurs moun ki te vle entre nan bâtiment ensemble ak Noé, mais ça te impossible parce que bon Dieu te gen tan cadenasse pot bâtiment. Tout moun yo ki te deyo bâtiment te neye parce que yo pat place confiance yo nan bon Dieu. Noé ak tout famille te nan sécurité parce que yo te place confiance yo nan bon Dieu et puis yo te obéil.
Page 8. Abraham te yon nan descendance famille noye a. Abraham te place confiance li nan bon Dieu tout et puis te obéil. Bon Dieu te fait Abraham ak madame ni Sarah yon promesse ke yon jour yo tap fè yon petit. Le yo te fin grand moun, Abraham ak Sarah te fè yon ti garçon. Yo te rele petit la Isaac. Bon Dieu te fait promesse ke nan descendance Isaac tap gen yon sauveur ki tap gen capacité pour le retirer et puis effacer péché tout moun sou la terre. Bon Dieu te voye yon sauveur pour délivrer le monde. Non li, c'est Jésus-Christ. Li te efface ni péché ou, ni péché moins. Page 9. Moïse te yon nan descendance famille Abraham ak Isaac. Moïse te place confiance li nan bon Dieu. Bon Dieu te bay Moïse l'ordre pour te monter mon lan. Pendant le temps où on a mon lan, bon Dieu te bay Moïse la loi li yo. Nan dessin sa, nou wè comment Moïse tap descend mon nan a commandement bon Dieu yo. Bon Dieu vle pour tout moun obéi commandement li yo. Page 10. Nou ka wè plusieurs nan loi yo ke bon Dieu te bay Moïse ici. Bon Dieu te dit, pas adorer ni idole ni aucun autre dieu. Il te dit encore, yon jour par semaine nous besoin suspendre travail pour nous adorer bon Dieu nous en. Il te dit timoun yo, nous besoin obéir parents nous yo. Il dit pas bay menti, pas touyer moun, pas courir de l'autre fille si c'est pas madame ou monsieur. Pas même penser dans tête tout ou t'a voulu faire ça. Pas voler. Pas gen convoitise pour ça qui pas pour vous. Page 11. Pendant époque là que Abraham ak Moïse tap vive, si un moun te fait péché, li te oblige touye yon ti mouton pour te montrer chagrin li pour péché là. Jodi a, nous pas besoin touye ti mouton parce que bon Dieu voye Jésus pour te payer dette péché nou yo. Jésus t'est mouri sous la croix pour lui te payer dette péché nou yo. Jésus t'est mouri sous la croix pour te recevoir punition péché nou yo. Trois jours après le t'est mouri, Jésus t'est venu reprendre la vie encore. Surréaliser que c'est péché ou yé. Placer confiance ou nan Seigneur à Jésus et puis confesser péché ou yo. Dieu va pardonner ou. Page 12. Qui t'aime dit ou comment Jésus t'est fait? Li t'est entré le monde ça pour te remplir promesse là que bon Dieu t'est bail Adam et Ève qu'elle t'a retiré péché le monde. Yon jour, yon ange bon Dieu t'est paraît devant yon vierge qui t'est relé Marie. Zange l'an dit Marie, Saint-Esprit bon Dieu va faire ou faire un petit garçon. Petit ça pral sauver a que bon Dieu t'est promet là. C'est pour relé petit là Jésus. Jésus c'est cela qui va effacer tout péché le monde. Zange ça te paraît devant Joseph, fiancé Marie à tout. Et puis il te parle concernant petit là que Marie t'a fait. Joseph pas de jambe couché avec Marie jusqu'après petit là t'est faite.